Nous vivons dans un autre monde. J'étais presque arrivé à Pétionville, qui est, disons, un grand faubourg résidentiel de Port-au-Prince. Et c'est au milieu de la chaussée que le choc a eu lieu. Je n'ai pas l'impression que ça a duré les 58 secondes qu'ils ont dit, mais ça a paru une éternité quand même. Au point que ma voiture, qui est une ancienne voiture très lourde, une 4x4, elle est sortie et s'est retrouvée complètement du côté gauche de la chaussée à la fin. Complètement balayée par ces chocs qui ont été verticaux d'abord et horizontaux après. La culture culinaire haïtienne est très présente et très vivante à New York, en Floride. Elle a été amenée ici et c'est surtout basé sur les produits que l'on trouve là-bas. Le porc, le poulet, les oranges sûres, le citron, les bananes, aussi le poisson, le piment, les haricots, le riz, les champignons. Tout ça, ce sont et toutes les autres épices que l'on trouve sur le marché qui font partie de la culture haïtienne. Je travaille avec une NGO qui s'appelle World Hope International. Et l'idée, c'est de vraiment, on fait tout le nécessaire pour avoir de l'argent. Et ce qu'on va faire, on va choisir un projet en Haïti. Où on va travailler sur ce projet-ci. On pense que ça va être plus sûrement une école qu'on va essayer de reconstruire, un hôpital, une clinique, une chose comme ça qu'on va choisir. On n'est pas sûr toujours, mais l'argent qu'on trouve ce soir, on met à côté pour ça. Et quand on est prêt, je vais aller personnellement en Haïti avec le groupe et on va choisir. Et on va vraiment, ce qu'on va faire, on va continuer à développer l'histoire. On va dire, on a choisi ce projet-ci et on va continuer à donner des photos sur le website, des petits films, etc. pour montrer la reconstruction de cette école ou cette clinique. Vous savez, le fait qu'on soit le premier pays noir qui a fait sa révolution contre les Français, ça veut dire qu'on n'est pas colonialisé de la même façon que les autres pays du Caraïbe. Donc on a quelque chose de très unique. Donc dans la musique aussi, ça se voit énormément. Il y a des racines africaines, plus le merengue qui est vraiment haïtien. C'est très, très varié. Il y a tous les styles. Nous vivons dans un autre monde.